qui nous a permis ce matin d'assister à l'ouverture des premières enveloppes des examens franco-arabes, notamment le certificat d'études primaires, le BPC et le bac franco-arabe. Donc, avec la présence des autorités de l'éducation, on avait à nos côtés le directeur de l'enseignement privé, Kaboré Karim, le coordonnateur du projet d'appui à l'enseignement bilingue franco-arabe, M. Sylvie Amadou, qui ont eux aussi les représentants de l'Association mondiale de l'appel islamique. Donc ces autorités ont assisté et ils ont procédé à l'ouverture des premières épreuves de ces différents examens. Donc comme vous le savez, cette année, l'examen, nous avons en tout, au niveau du CEP, on a 55 centres d'examen. Au niveau du BPC, on a 17 centres. Et au niveau du baccalauréat, nous avons un seul centre. Le nombre de candidats, nous avons 2066, ma mémoire est bonne. Tous les examens confondus. Donc cela montre effectivement que les écoles franco-arabes, il y a une dynamique d'évolution en termes aussi du nombre. Il nous appartient de travailler sur la qualité, à améliorer la qualité de l'enseignement dans ces écoles, à faire en sorte que les élèves qui viennent dans ces écoles soient des véritables bilingues, qu'ils puissent maîtriser aussi bien l'arabe que le français et pouvoir s'insérer aussi socialement dans leur milieu. Ce sont les objectifs que la communauté musulmane aujourd'hui assigne à l'éducation au niveau des franco-arabes. Donc, pour le moment, on vient de débuter avec le sujet de rédaction. Ok, pour le moment, on ne rencontre aucune difficulté. Ici, pour la classe de CM2, il n'y a pas d'absence. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, c'est après tant de mois passés en classe et de l'enseignement, ça n'a pas été facile, l'année n'a pas été facile comme tout le monde voit, mais alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est les examens de fin d'année que nous sommes, Dieu nous a gratifiés ces jours-là, en tout cas, ce que nous remercions Dieu pour ça. Les examens ont bien commencé, les représentants du ministre de l'Éducation nationale qui est venu ouvrir la première enveloppe pour donner le top départ de ces examens. Alhamdoulilah. Bon, au niveau des Sanaoui, c'est-à-dire le bac, c'est science du Coran, comme on appelle en arabe, Ulum al-Quran, Quran wa Ulum. Les difficultés, c'est au niveau de l'organisation, mais alhamdoulilah, on dirait qu'on a commencé à parfaire cette organisation, et puisque pour le moment, ça va. Au niveau des candidats, qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des retardataires, il y a eu des sans-papiers, des pièces d'identité, national ou scolaire, donc c'est ça qui a posé un peu de problème. Mais bon, beaucoup sont repartis à la maison et ramenaient ça. Bon, présentement, nous avons 113 candidats ici, dans ce centre-là. Bon, ce qui m'a poussé à revenir sur le banc, bon, d'abord, c'est pour affermir ma foi. Et encore, quand j'étais en fonction, bon, j'avais quand même prié Dieu que si je partais à la retraite, j'allais me consacrer maintenant à la religion musulmane. Pour cela, je suis venu pour acquérir certaines connaissances, pour pouvoir approfondir ma foi. Bon, le sujet, c'est un peu difficile quand même. Bon, mais par la grâce de Dieu, on va essayer de faire ce qu'on peut. En tout cas, ça va un peu. On pense que ça ira. Par la grâce de Dieu, Inch'Allah, ça ira. On a débuté avec Coran wa Ulumuhu, voilà, le Saint-Coran, Tajwida plus Tafsir. Plus précisément dans le village de Signorin. Bon, c'est la clôture de l'année scolaire 2021-2022 au sein d'une de nos écoles.
l'école franco-arabe de Signoré n'a qu'une seule classe qui a été fonctionnelle durant l'année scolaire. Et c'est uniquement le CP1, CP1 arabe et français, puisque c'est une école bilingue, comme vous l'avez bien entendu, école franco-arabe. Dieu faisant bien les choses, les résultats ont été satisfaisants, si bien que nous avons tous constaté ensemble qu'il y a eu beaucoup de cadeaux à l'endroit des élèves, et ceux qui ont bien travaillé ont mérité en tout cas de gros cadeaux. Moi, les enseignants ont tout fait pour inculquer aux enfants tout ce qui devrait être fait. C'est-à-dire que dans le programme, il y a un programme qui a été bien suivi et le programme est terminé. Donc nous invitons les parents à ce qu'ils veillent sur les enfants. Il est bien vrai que bon, nous sommes en campagne, c'est l'hivernage, c'est la saison hivernale. Les enfants iront au champ, mais ce n'est pas pour autant qu'on va oublier les cahiers et puis les documents de l'école. De ceux qui nous ont aidés non seulement à obtenir le terrain et à avoir, c'est-à-dire que ce joyau qui est derrière que vous voyez, bon, c'est prier Dieu à ce que Dieu leur rende au centuple de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils craignent Dieu, que Dieu fasse que le jour où il n'y a aucun rond pour défendre l'être, que sont les bonnes œuvres là, qu'ils puissent trouver ce qu'ils ont posé sur terre là comme bonne œuvre dans la balance de leurs bonnes actions. Sinon, on est à Poutenga, Signoré, pour une clôture cette année scolaire 2021-2022. Nous sommes très très contents. Les résultats sont très satisfaits. Puis les souras sont très bonnes. Vraiment, on prie comme en première année seulement. Ils sont très très contents. Mes petits frères et grands frères, de mettre la main à main, puisque une seule personne ne peut pas faire ce travail-là. C'est avec la main à main qu'on peut avancer. Donc, vraiment, je les remercie beaucoup. Que Dieu les bénisse. Il faut toujours croire à Dieu. C'est nous un mal ça. Crois toujours au nom de Dieu. Pour la calendrier, ça va être aussi barque. Mais la manne aussi elle est son. Alkanun iman sitatu liman zinara yala yobe antu mina billahi ya fohna konsinne wenam wa malaikati la konsinne wenam malaxa wa kutubihi la konsinne wenam gharama wa rusulihi la konsinne wenam tuntunsa wa liyomil ahiri la konsinne la hada ala volete na zosante se puli la rape il ma fait tomber. Allahu Allah.